Je suis Clémence Bechtart, avocate au barreau de Paris et je coordonne le groupe d'action judiciaire de l'AFIDH. Et pour l'AFIDH, nous accompagnons devant la justice française notamment des victimes syriennes de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Pourquoi les accompagner devant la justice française? Parce que la Cour pénale internationale ne peut pas ouvrir une enquête sur les crimes perpétrés en Syrie et ne pourra donc pas, en tout cas pour l'instant, juger Bachar el-Assad, alors qu'il y a des preuves accablantes dont disposent aujourd'hui non seulement les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi les Nations Unies, de la perpétration par Bachar el-Assad et son régime de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre à une échelle sans précédent dans la région et concernant la Syrie. La Cour pénale internationale ne peut pas être saisie parce que la Syrie n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Et dans ces cas-là, la seule manière pour la Cour de pouvoir ouvrir une enquête sur les crimes qui sont perpétrés en Syrie serait que le Conseil de sécurité des Nations Unies défaire la situation, donc adopte une résolution demandant à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête. Et malgré de nombreuses tentatives depuis 2013, la Russie et la Chine ont sans cesse opposé leur veto au Conseil de sécurité pour que la Cour pénale internationale puisse être saisie. La Syrie n'est pas le seul pays, loin de là, à ne pas avoir ratifié le statut de Rome. Ce statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, il a été adopté en 1998 et aujourd'hui, donc 20 ans après, en 2018, 123 États sont partis au statut de Rome, donc partis à la Cour pénale internationale. Mais nous avons encore un grand nombre d'États qui n'ont pas ratifié et notamment des grandes puissances telles les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore Israël, et la Syrie fait partie donc de ces États qui n'ont jamais ratifié le statut de Rome et qui ont voulu donc se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites par la Cour pénale internationale. Et donc le seul moyen de contourner cette absence de ratification, c'est par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est ce qui s'est passé par exemple pour le Soudan au moment du génocide au Darfour. Le Soudan n'avait pas ratifié le statut de Rome et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a saisi la Cour pénale internationale pour qu'une enquête soit ouverte sur le génocide au Darfour. Donc nous sommes là dans une impasse et aujourd'hui le seul espoir de justice pour les victimes syriennes qui subissent l'horreur depuis 2011, des centaines de milliers de cas de torture, de disparitions forcées, de morts sous des bombardements, de recours aux armes chimiques, non seulement par le régime mais également par d'autres parties au conflit, eh bien c'est pour l'instant de se tourner vers des justices étrangères, telle que la justice française, en vertu d'un mécanisme qu'on appelle la compétence universelle. C'est pour l'instant le seul espoir pour les victimes de pouvoir espérer que des enquêtes soient ouvertes en France, en Allemagne, en Suède, peut-être aussi en Espagne, en attendant qu'un jour il y ait un vrai espoir, soit de justice en Syrie, si on trouve un jour une solution à ce conflit sans fin, ou alors que la Cour pénale internationale puisse enfin être saisie.